Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est direction la Tunisie avec un classique de la street food tunisienne, la baguette farcie. Pour réaliser la pâte, il nous faudra 600 g de farine, 200 ml de lait, 180 ml d'eau, 30 g de beurre, 10 g de levure fraîche, 5 g de sel. Pour la garniture, des poivrons en lamelles, de la mozzarella, du poulet et des olives. La liste des ingrédients se trouve en description. Je commence par réaliser la pâte, donc je verse la farine dans un bol, puis j'émiette la levure. Je mets le beurre ramolli. Je verse le lait. Je commence à pétrir. Ensuite, je rajoute un peu d'eau. Une fois que la pâte commence à être fermée, je rajoute le sel. Tout le restant d'eau. Je pétris avec les doigts. Une fois une pâte obtenue, je la couvre et je la laisse reposer 1 heure. Après 1 heure, je farine le plan de travail, j'y dépose la pâte. Je découpe des morceaux d'environ 180 grammes. Je forme mes pâtons. Et je les laisse reposer 30 minutes, couverts d'un torchon propre. Ensuite, on passe à la garniture. Je découpe le poulet. Je le fais cuire sur une poêle. Ensuite, je rajoute des épices. Ici, j'ai utilisé curry, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle épice. Une fois le poulet cuit, on le réserve. Ensuite, on passe à la cuisson des poivrons. Une fois le poivron cuit, on réserve. Ensuite, j'étale un pâton. Vous mettez de la sauce. On étale. On met le poulet. Les poivrons.
les olives. Puis la mozzarella. Ensuite, on plie comme si on faisait un calzone. Et on retourne encore une fois jusqu'à former une baguette. On soude bien les côtés. Ensuite, on fait avec un pinceau, on met un peu d'huile. Je fais des incisions. On peut rajouter un peu de fromage par-dessus. Et direction le four. Je fais cuire à 300 degrés dans un four à pizza, mais vous pouvez le faire cuire dans un four traditionnel. J'espère que ce voyage culinaire vous aura plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Clique sur le logo pour t'abonner, c'est gratuit.